Allez, merci de choisir Perfect Télévision. C'est votre émission, un nouveau numéro de l'invité de Irengé. Nous recevons pour vous aujourd'hui Maître Jonathan Gbele. Il est cadre de l'AMUKA. Nous allons parler processus électoral. Vous le savez bien que ce 1er septembre, la CENI va ouvrir ses portes pour les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Moïse Katumbi, Matata Ponyo annonce leur participation. Martin Fayoulou, lui, avec l'AMUKA, il avait décidé de ne pas participer. Joseph Kabila, avec les FCC, ne prendront pas part à ces élections. Nous allons essayer d'en parler. Fortuna Bisselé également acquitté par la justice. Pendant ces temps, Salomon Escadela, Jean-Marc Kabunda-Kabund et même Matata Ponyo, qui est candidat à président de la République, sont devant la justice. Pour les cas Salomon Kalonda, avant, parmi les charges retenues, c'était le port d'armes à feu également. Mais lorsque le procès a commencé, parmi les charges retenues, le port d'armes à feu a disparu, au grand étonnement de tout le monde. Alors, je donne tout de suite la parole à mon invité, d'abord pour l'accueillir et ensuite commencer avec un premier commentaire sur les dossiers de justice avant d'insister sur les élections. Maître Jonathan, je vous salue. Bien, bonjour à vous, monsieur le journaliste. Bonjour également à nos nombreux compatriotes congolais qui ont la possibilité en ce net instant de nous suivre, et même ceux qui nous suivront à travers les rediffusions et même les plateformes de réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas évident que tous les Congolais puissent avoir accès à l'électricité, et cela 24 heures sur 24 heures. Nous espérons que ceux qui auront la possibilité de nous suivre, ils vont passer des très bons moments à l'écoute de l'émission, et même ceux qui vont nous suivre en rediffusion ou pendant les morceaux qui vont être parsemés de manière virale, je pense seulement qu'ils vont être édifiés, ils vont retenir l'essentiel de ce que nous aurons à émettre comme point de vue ici. Mais je me permets également de profiter de mes minutes plus tôt pour saluer tous nos compatriotes congolais qui nous suivent en ce net instant. Et cela de par la maison carcérale, là je vois la prison militaire de Ndolo, la prison centrale de Makala, et ainsi que le SIAT et le commissariat. Nous saluons Mike Moukebaï également, Koso. Je salue l'honorable Mike Moukebaï, l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, mon aîné Milingano Barnabé, oui, tous les compatriotes congolais, les conseillers Salomon Skadela, ainsi que tous nos compatriotes congolais qui se voient être privés de liberté dans des conditions que nous déplorons et que nous condamnons. Mais bien évidemment, c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes acteurs politiques, c'est pourquoi nous militons pour le bien-être du peuple. Lorsque le meilleur de gouvernants vont arriver, je pense que nous aurons non seulement de maisons carcérales, mais nous serons même de dire que ces compatriotes congolais qui sont privés momentanément des libertés, ils vivent dans de meilleures conditions. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on fasse un commentaire beaucoup plus accentué, d'abord sur le cas Salomon Kalonda et après sur le cas Matata Ponyo. À l'ouverture, moi j'étais présent pour couvrir. En tout cas, on parle, parmi les charges retenues, selon les ministères publics, Salomon Escadela est en tout cas arrêté également pour, si je ne me trompe pas, j'espère que vous êtes aussi bien informés, pour avoir livré les secrets de défense. Mm-hmm. Question, est-ce qu'un civil qui n'a pas de fonction officielle, qui n'est pas dans l'armée, peut livrer les secrets de défense? Déjà, il faut dire que je me permettrai bien d'ajouter un mot pour le dossier Koso et Michel, parce que c'est quand même un compatriote congolais, l'espoir de Kino, que j'aime bien l'appeler, qui aujourd'hui passe plus de 2 mois à la prison centrale de Makala, sans être informé du sort réservé aux différentes exceptions soulevées lorsque l'affaire était encore au niveau de la cour d'appel par ses avocats.
de ce que je retiens, de ce que je sais du droit, c'est que la loi qui organise la cour, les fonctionnements de la Cour constitutionnelle et même son règlement intérieur sont d'accord de manière à ce que tous les cas portés devant la Cour devront être traités dans un délai d'un mois. Oui. Les exceptions d'inconstitutionnalité, les dépôts pour interprétation plutôt d'une des dispositions de la Constitution, tous doivent se faire dans les délais maximum d'un mois. Et j'observe que pour les cas Moukeba Inkoso, nous sommes au-delà d'un mois. Et là, je conclue simplement qu'il s'agit là d'un opposant politique et que son dossier doit être traité de manière politique. Voilà pourquoi je soupçonne la position de la Cour constitutionnelle à s'obstiner à traiter de manière scélère ou encore à respecter les délais d'un mois tels qu'elle est prescrit le différent texte qui régente les fonctionnements de la Cour constitutionnelle. Mais bien au contraire, moi je l'ai toujours dit, lorsque dans un régime des tyrans, on se permet d'asphyxier plutôt la voix de l'opposition, c'est à ce moment-là qu'on les rend de plus en plus forts. Oui. Donc aujourd'hui, tout le monde le sait, et même ses proches les proclament et les confessent, l'honorable Kébaï, c'est parmi les hommes au mental fort. Et ce n'est pas parce que des juges, ce n'est pas parce que des personnes décident de bloquer son dossier qu'il va avoir la morale faible ou encore qu'il va se résigner à abandonner son combat. Il continuera son combat parce que nous pensons que ce combat est noble. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa, les Kinois et même ses collègues députés lui donnent raison. Il réclame même ses émoluments d'une année, en tout cas selon la lettre de ses avocats. En tout cas gelé par le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poui. J'ai même vu un député provincial de l'UDPS exiger que le président de l'Assemblée provinciale rembourse les émoluments de l'honorable Mike Moukebaï. C'est en fait dans la même logique de ma pensée il y a peu. Je disais que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les Kinois lui donnent raison. Moukebaï a pris les risques pour sauver la ville de Kinshasa. Moukebaï a pris les risques pour dénoncer la mauvaise gestion dans la ville de Kinshasa. Moukebaï a pris les risques pour étaler tout ce qu'il y avait comme forfaiture et même bavure de gestion dans la ville. Et cela lui a coûté tout ce qu'il a eu à vivre et tout ce qu'il continue à vivre aujourd'hui comme répression. Mais étonnant dans l'histoire, c'est que je sais que le salaire a un caractère alimentaire. Exactement. Donc on sous-entend qu'une personne doit travailler pour se nourrir. L'honorable Moukebaï est député, il a presté pendant une année, mais les simples vouloirs du bureau de l'ensemble provincial décident de lui priver de ses émoluments. Et l'étonnant dans l'histoire, c'est que même lorsque ses avocats décident de saisir la justice, on peine à avoir des suites. Oui. À ce jour, monsieur le procureur général ne sait pas nous dire qu'en est-il de la requête ou encore de la plainte formulée par l'avocat de Nora Moukebaï? Parce que ces derniers réclament un droit qui est protégé tant par les instruments juridiques nationaux qu'internationaux. Parce que là, il s'agit de droit à un salaire pour quelqu'un qui a presté, pour quelqu'un qui a travaillé, pour quelqu'un qui en a le droit. Donc je pense qu'au travers de nos dénonciations et condamnations, la Cour constitutionnelle va se voir être obligé de par les textes d'examiner rapidement la requête en exception d'inconstitutionnalité soulevée par les avocats ou la défense de Moukebaï pour donner compte à ce que lui demande. Parce que ces exceptions-là tendent à prouver effectivement qu'il y a eu vice dans la procédure, il y a eu violation de plusieurs dispositions de la Constitution et même des droits inhérents à une personne. Merci donc, beaucoup. Pour les salaires, je pense que M. Godefroy Poyi devra, dans les jours à venir, par respect plutôt à la petite considération que les Kinois lui doivent, payer les émoluments de l'honorable Moukebaï. Et comme homme des dieux aussi, pasteur. Non, moi je préfère pas entrer dans la logique d'homme des dieux parce que je ne suis pas là lorsque Dieu le proclame mes hommes. Je n'entre pas là-bas. Je pense, pour la respectabilité que nous lui devons, oui, les histoires telles que salaire, argent de quelqu'un, il faille éviter que le nom soit cité dedans. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais qu'on revienne au dossier Escadela, très bref, et puis dossier Matata, très bref, on parle processus électoral directement. Est-ce que vous pouvez répondre à la question que j'ai posée? Je l'avais déjà. Est-ce qu'un civil comme Salomon Kalonda
qui n'a aucune fonction officielle peut être poursuivi pour avoir livré les secrets des défenses. Vous savez, depuis un moment, je commence à donner raison à tout ce qu'ils ont dit avant nous, en fait, tout ce qu'ils ont prophétisé ou ont émis des citations avant nous. Ceux qui ont pensé que la justice devait rester la plus grande demi-mouette, en réalité, n'ont pas tort. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons que ces dictons, si et seulement si les renseignements de mon pays l'avaient utilisé, ne seront pas là où nous sommes aujourd'hui. Parce que le point de presse que nous avons nous suivi révélait autre fait que ce qui est aujourd'hui présenté devant les juges. Exactement. C'est vrai et c'est la logique parce qu'il s'agissait là des OPJ, mais là nous sommes devant un magistrat. Mais en étant devant le magistrat, il faille déjà se poser la question, est-ce le magistrat qui a réqualifié les faits, a également auditionné M. SK, Salomon Iskadela, sur les faits dont il a réqualifié. Parce qu'au niveau de les OPJ, il a été entendu pour ces faits-là, détention d'armes, atteinte, je ne sais quoi. Mais devant le magistrat, est-ce qu'il a été entendu pour ces faits-là? S'il n'a pas été entendu pour ces faits-là, nous tomberons sous les coups de la violation digne des dispositions de la Constitution qui malheureusement m'échappe ici, qui dit qu'une personne ne peut être jugée que pour des faits qui, pour lesquels il a été entendu et pour lesquels il a été poursuivi. Oui. Déjà en amont, il n'a pas été poursuivi pour révélation des secrets de l'armée. Oui. Mais à votre question, il faille déjà se questionner sur l'incrimination même. Est-ce que cette incrimination-là est propre au civil? Oui. C'est ça la réalité. Exactement. Si elle est propre au civil, nous pouvons analyser. Mais si elle n'est pas propre au civil, ça posera déjà des problèmes au niveau de l'analyse. Est-ce un civil qui ne travaille pas ou qui n'a pas des acquaintances avec l'armée, peut-il avoir des informations de l'armée pour les révéler aux tiers? C'est déjà là la question. Exactement. Et moi, je pense et je crois même que les proches de Salomon ne vont pas me contredire. Je n'ai jamais eu écho qu'il a été proche des institutions et entré à l'armée. Ouais. Je n'ai jamais eu écho de cela. Moi non plus. Voilà. Si et seulement si M. Salomon n'a jamais été proche de l'armée, pourquoi il va être poursuivi pour des faits qui ont trait à l'armée? C'est déjà ça la grande des questions. Et à la question du pourquoi, je donne la réponse. Pourquoi? Parce que c'est un proche collaborateur de Moïse Katoumbi. Qui est Moïse Katoumbi? C'est un opposant politique. Oui. Qui est Moïse Katoumbi? C'est un candidat présidentiel. Oui. La réalité serait que pour atteindre M. Katoumbi, il faut frapper son entourage. Oui. Nous avons vu les traitements infligés à Moukeba Ikosso. Nous avons vu les traitements infligés à Salomon. Et plus grave encore, ils sont allés à la famille. Oui. La maman, âgée de plus de... On a vu les images, c'était scandaleux. C'est bien très traumatisé. Donc la réalité, c'est essayer d'atteindre M. Katoumbi coûte que coûte, même du point de vue psychologique, même du point de vue moral. Parce que lorsque l'on vous prend un proche collaborateur, la réalité, c'est que le message véhiculé, on vous a pris. Mais simplement, vous circulez encore. Et moi, je pense que l'instruction de l'affaire et même le déroulement du procès devrait nous être très, très profitable. Et je pense que la logique et même la réalité que nous vivons aujourd'hui doivent nous amener à réfléchir deux fois avant de poser des actes. Aujourd'hui, j'apprends, je ne sais pas si c'est vrai, oui, que même pour le dossier Monga Chouchou, oui, le ministère public a fait un rétro-pédalage en changeant les qualifications. Du point de vue crédibilité, il est vrai que c'est un droit reconnu au parquet, reconnu à nos instances. Mais du point de vue crédibilité, nous vendons mal notre appareil judiciaire. Comment on peut évoluer à plus de 4 procès, plus de 4 audiences et aussitôt se rendre compte qu'on doit rentrer en arrière? Et la conséquence logique, c'est laquelle? On l'a vendu comme un étranger. Exactement. Mais avec cette infraction-là, c'est une infraction qui est proprement commise par les nationaux, la trahison. Vous comprenez un peu? Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'image de quelqu'un est vendue parce que quelqu'un n'a pas su voir vite ou voir rapidement ce qu'il devait voir avant. Merci. Moi, je pense que ça ne sera pas le cas pour l'honorable Salomon Iskadela, parce que j'ai appris qu'il a été élu député en 2018. Il est candidat également en 2023. Je pense que ce ne sera pas le cas. Et je pense qu'effectivement, nous n'aurons pas de procès punitif. Nous n'aurons pas des procès où seuls les acteurs de l'opposition feront la prison. Parce que s'il faut comptabiliser le nombre de bavures commises par ceux qui régentent la gouvernance aujourd'hui,
nous aurons un Kabuya à Makala, nous aurons un Mukoko à Makala, nous aurons un Guilé à Makala, parce que tous ces gens-là sont réputés être délinquants, parce qu'ils ont commis des faits infractionnels. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin et vous dire comme ça que nous allons distribuer des armes pour défendre notre régime. Oui. Quelqu'un ne peut pas se lever un bon matin comme ça, citer le nom de quelqu'un et dire qu'il a un Lingundo en bas. Ils ont fait ça la réalité. Mais lorsque des personnes comme ça commettent des faits, et même ceux qui vont jusqu'à appeler au racisme, oui, et à la violence et à la barbarie, mais qu'on ne les poursuit pas, mais pour le compte de l'opposition, on décide de traquer certains. C'est très dangereux. C'est très dangereux pour l'avenir démocratique. En une minute, procès Matata. J'ai même suivi aujourd'hui, dans appel sur l'actualité sur RFI, un professeur des Sciences Po à l'Université de Paris, Sorbonne, si je ne me trompe pas, donner un avis confirmé qu'il s'agit, en fait, d'un procès purement politique, parce que on sent en fait qu'ils veulent insister sur la cristallisation des faits, alors que selon lui, la cristallisation des faits devrait se faire en amont, pas après que la Cour constitutionnelle ait donné une décision, parce que vous savez que dans ce dossier-là, la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée incompétente pour juger un ancien Premier ministre. Vous savez, je me suis retrouvé dans un salon, oui, où il y avait des nationaux et des expatriés. On était en train de réfléchir sur une autre thématique. Quelqu'un connaissant le fait que je suis un acteur politique, il dit « Mais comment vous faites pour vendre votre pays mal du point de vue judiciaire ?» Je lui pose la question « Qu'est-ce que moi j'ai fait ?» Oui. Il dit « Comment expliquer en moins d'une année ?» Nous avons obtenu deux... Vous avez pondu deux arrêts. Oui. Avec deux positions différentes, mais sans donner l'élément motivateur qui change la position de l'autre. Il faut qu'il y ait une motivation. J'ai eu mal à justifier cela. Il évolue encore. Il me dit, mais lorsqu'on parle de la levée des immunités, oui, on lève l'immunité de M. Matata Ponyo comme sénateur ou comme Premier ministre. Je lui réponds, je dis non, comme Premier ministre, on organise ce qu'on appelle l'autorisation de poursuite. Exactement. La mise en accusation, qui est faite plutôt conformément à une demande qu'on appelle réquisitoire. Mais pour les cas d'un Premier ministre en RDC, il faudra avoir les congrès. Et il faudrait qu'il y ait un vote, je crois, à la majorité ou les un quart. Les un quart. Ou les deux tiers. En tout cas, je n'ai pas la constitution ici, les congrès vont me les concéder. Mais lorsque l'on observe pour les quatre dossiers Matata Ponyo, j'observe déjà que le procureur a écrit au Sénat plutôt, et que le Sénat a levé l'immunité parce que c'était un sénateur en exercice. Oui. Donc déjà, lorsque le Sénat autorise la poursuite, il l'autorise comme sénateur. Premier fait. Deuxième fait, lorsqu'on arrive devant la Cour constitutionnelle, est-ce que la Cour devait se référer à l'acte d'accusation d'un sénateur qui lui est présenté devant ou d'un ancien Premier ministre? C'est ça la question. Oui. Si la Cour décide de se référer à cet acte d'accusation d'un sénateur, la Cour est censée être incompétente pour juger un sénateur. Oui. Les juges naturels d'un sénateur, c'est la cour des cassation. Si la Cour décide d'être compétente pour juger un ancien Premier ministre ou un Premier ministre, il faille qu'il possède la décision du Congrès, ce qui n'est pas le cas. Donc déjà, il y a... S'il faut seulement se limiter là, on poursuit un ancien sénateur, un ancien Premier ministre, avec une décision de lever d'immunité comme sénateur. la réalité ou la logique ne va pas se conformer là-dessus. Pourquoi? Parce que les prémices sont déjà fausses. Et la conclusion risquerait d'être mauvaise. Voilà pourquoi je pense qu'en réalité, on devait soigner l'image de notre appareil judiciaire. Nous sommes d'accord que notre justice est politiquement orientée. Parce que les Congolais vont se souvenir que le dossier sans jour est né à la suite d'une résolution du Conseil des ministres. Exactement. Et moi, j'en connais pas une disposition constitutionnelle qui donne pouvoir au Conseil des ministres de faire naître un dossier judiciaire. J'en connais pas. On n'en trouve qu'ici au Congo. Et pire encore, lorsqu'il s'agit d'un sénateur, lorsqu'il s'agit d'un Premier ministre, on fait appel là à des corps distincts.
Le premier, c'est le corps gouvernement qui est institution. Oui. OK. Le deuxième, c'est le Sénat qui entre également dans un des corps qui est le Parlement. Du point de vue fonctionnalité, du point de vue procédure de mise en accusation, je l'ai démontré dans le thème ici, elles sont totalement distinctes. Pour les sénateurs, c'est le Sénat qui a deux modes. Soit c'est l'Assemblée plénière s'ils sont en session, soit c'est le bureau. C'est les bureaux. Oui. Mais avec obligation faite d'entendre les concernés. J'ai été sidéré, moi. Est-ce qu'il a été entendu? J'arrive. J'ai été sidéré, moi, de voir un communicateur se faisant passer pour une formation politique de l'Union sacrée dire que l'honorable Matata Ponyo n'avait plus d'humilité. Alors, comme ça. Il est passé à la télé, il est dit il tout est bonnement. Il est dit à la télé de manière allégrée. J'ai réfléchi en scientifique. Et même le règlement intérieur du Sénat ne me contredit pas là-dessus. Une demande d'autorisation de poursuite est faite pour un dossier précis, pas pour deux. Oui. Les dossiers pour lesquels on a obtenu la première autorisation de poursuite voyaient être mis en accusation également le ministre Kitebi, l'ancien ministre Kitebi. Oui. Mais actuellement... Il est de l'Union sacrée. Ça, je ne sais pas. Je vous apprends qu'il est maintenant candidat à l'UNC, de l'UNC. Voilà. Donc, on n'en parle plus. Ça, j'analyse, j'analyse tout court. Mais lorsque l'on voit les dossiers qui ont été renvoyés, je vois plutôt qu'il y a un monsieur qui entre nouvellement, qu'on appelle Deo Gracias Mutu. Qui n'était même qui pas... Qui n'était même pas là au début. Ouais. Et curieusement, je n'ai pas vu le nom de monsieur Kitebi. Je me questionne. Est-ce l'on continue à utiliser la décision de lever des immunités pour lesquelles M. Kitebi également a été impliqué, où l'on a évolué. Et si on a évolué, il fallait en réalité, il fallait, refaire. Comprenez un peu comment la justice pose problème. Et des gens comme ça passeront à la télé, vous rencontrez des choses. La vérité aujourd'hui, c'est que, c'est d'ailleurs ce qu'un de ses compatriotes m'a dit, nous pensons que la volonté manifeste qui est actuellement exécutée par ces schémas-là, c'est de faire taire un opposant politique. Merci beaucoup. Et ça, nous déplorons, nous condamnons. Pourquoi? Parce que nous voulons que la bataille électorale soit beaucoup plus transparente, que tous compétissent et qu'à la fin, un victorieux soit là. Exactement. Pourquoi nous de l'opposition, nous n'avons pas peur du candidat Tshisekedi? C'est le candidat. Parce que nous savons que le candidat Tshisekedi n'a pas de bilan. Mais pourquoi le candidat Tshisekedi a peur d'un candidat Sanga? Pourquoi le candidat Tshisekedi a peur d'un candidat Fayulu? Pourquoi le candidat Tshisekedi a peur d'un candidat Matata? Pourquoi le candidat Tshisekedi a peur d'un candidat Katumbi? Simplement parce que ces gens-là ont des offres politiques beaucoup plus convaincantes que lui. Merci beaucoup. Alors j'aimerais qu'on termine sur les dossiers dépôt des candidatures à l'élection présidentielle. C'est ce premier que la CENI va ouvrir. La machine normalement. Okay. Et je sais que les candidats seront là personnellement, Matata Ponyo, notamment Moïse Katumbi et autres. Un petit commentaire. Voyez-vous l'opposition aller en ordre dispersé ou bien choisir un candidat commun? Une vérité est claire. Même si nous allons en ordre dispersé, je ne vois pas les candidats qui sait qu'ils nous battre. Ça, j'ai foi et j'ai confiance à mon peuple. Sauf si, avec la complicité de la centrale, ils décident de s'auto-attribuer de voix fantômes et fictives. Ah bon? Oui, parce que la centrale, dans sa configuration actuelle, est monologue à sens unique. L'opposition politique n'est pas représentée. J'ai voulu. Si aujourd'hui, et cela, d'ailleurs, va en contradiction avec ce que vous avez dit dans TAM, que nous, qui sommes de la Mouka, avions boycotté les élections. Oui. Ça, ce n'est pas notre position. Nous avons plutôt dit que nous suspendons les dépôts de nos candidatures au niveau de législative. Et récemment, le président Martin a tenu une émission avec deux journalistes de la place où il vous a dit qu'il est candidat président de la République. Donc, il n'a pas renoncé. Mais pour des bonnes élections. Et à la minute où nous enregistrons cette émission, je n'ai pas l'information où il ne va pas déposer. Je confirme aux Congolais qu'il est candidat président de la République. Mais la réalité, c'est laquelle? Tout a été mis en place,
préparer pour que nos candidats présidents de la République n'arrivent pas à la date du premier? Oh. Je vous dis, on a orchestré à Kananga cette tentative d'assassinat contre l'honorable Denis Sassanga. On a vu ça, son cortège a été menacé, les journalistes et même menacé, on l'a vu. Lorsqu'on vise la tête d'une personne, c'est sa mort qu'on souhaite. Nous avons vu ici tout ce qui a été mis en place comme machination pour décourager la candidature de M. Moïse Katumbi. Oui. On vous prend des collaborateurs, Diongo Pri, Mike Koukebaï, Salomon, et l'autre qui est obligé d'être en exil, c'est jeune homme. Voilà. Il y a l'honorable Saf qui est en clandestinité. Qui est en clandestinité. Voilà. Vous comprenez un peu tout ça. Donc c'est pour vous dire, monsieur, taisez vos ambitions. Lorsque l'on redescend, l'honorable sénateur Matata Ponyo, qui se voit, depuis la proclamation de sa volonté à candidater, être inquiété, objet d'une procédure judiciaire. Oui. Jusqu'en 2019, avant qu'il ne déclare qu'il pourra candidater, nous n'avons pas entendu parler des dossiers judiciaires. Oui. Mais lorsqu'il déclare qu'il va candidater, tout commence. Tout commence. Heureusement que dans les chemins de ces commencements, nous avons eu des scientifiques qui ont refusé de brader la science. Là, je cite le professeur Dieudonné Kalumah-Dibouy, qui a décidé de respecter le droit. Ça lui a coûté son poste. Oui, dans des états tels que la nôtre, il faut accepter de mourir correct. Mon père m'a toujours dit, accepte de mourir debout comme un lion, oui, ou de vivre longtemps comme un agneau. Et je préfère rester debout comme un lion que de mourir comme un agneau. Et ça, j'encourage le professeur Dieudonné Kalumah. Et en évoluant encore, vous allez voir les traitements infligés notamment au prix Nobel Denis Mukwege. Oui. Simplement parce qu'il a manifesté la volonté de... Il a été traité de tous les mots. J'ai même vu les gens lui manquer du respect. C'est ce que j'ai dit tantôt ici. On l'a l'intolérance. Insulté. On a insulté sa famille parce qu'il a voulu candidater. Et aujourd'hui, aucune juridiction ne reçoive ces personnes-là pour les entendre comme auteurs de ces faits-là. Ils sont là, tout bonnement. Librement, sûr qu'il en continue même à insulter d'autres. Comme si la prime à l'impunité ici, c'était de vous laisser en liberté. Donc, moi, je vais encourager tous les candidats présidents de la République, particulièrement ceux qui confessent et proclament l'opposition, oui, pour donner les contrepoids de ce pouvoir et un programme qui peut sauver les pays. Je les encourage à déposer leur candidature, mais je pense également qu'au vu des réalités actuelles, la population congolaise attend cet éveil de maturité de la part de la classe de l'opposition. Il est vrai qu'il y a plusieurs années passées, nous avons assisté à la manifestation des indécis. Des indécis que la République reconnaît aujourd'hui. Oui. Vous allez vous rappeler de Genève. Vous allez vous rappeler lorsqu'on décide ensemble de désigner X, l'autre vient et dit « Ma base décide de retirer ma signature. » Monsieur, la signature, c'est l'acte de la personnalité. Exactement. Comment pouvez-vous vous lever un bon matin et décider de les retirer? L'autre vous dit « Non, j'ai réfléchi, je pense que je vais y aller. » Je pense que maintenant, nous n'aurons plus droit à ces genres de personnes. Voilà pourquoi je les encourage à fédérer les efforts. Il est vrai que de manière dispersée, nous allons gagner. Oui. Ça, je proclame, je les confesse. Je ne vois pas Tshisekedi battre ses Sanga. Je ne vois pas Tshisekedi battre Matata. Je ne vois pas Tshisekedi battre Fayulu, je ne vois pas Tshisekedi battre Mukwege, battre Mouzito et tout ce qui vient comme candidat président de la République. Pourquoi? À la différence de celle-là, ces candidats que j'ai énumérés ont des programmes beaucoup plus convaincants. Matata d'ailleurs a déjà présenté son programme. Je ne l'ai pas encore lu, mais connaissant ses capacités et tout ce qu'il a comme expérience, je suis sûr qu'il... Moi j'ai lu son programme, je peux vous rassurer. Je suis sûr qu'il présentera un programme beaucoup plus élogieux. Nous n'avons pas encore présenté notre programme, oui, nous, au niveau de la Mouka. La Mouka, mais oui. Si Faïs s'est m'attablé sur notre programme de 2018, c'est un programme qui défie toute concurrence. J'ai lu le programme de refondation de l'État de l'honorable Sessanga. Oui. C'est encore une plume qu'il faut vraiment mettre en application pour sauver les Congos. Et j'attends de lire celui de l'honorable Matata et puis Denis Mukwege. Et j'apprends même que le parti Nouvel Élan va bientôt également présenter leur programme. Nous allons tous analyser ces programmes-là et voir le plus convaincant.
Mais je reste convaincu que la nôtre va beaucoup plus convaincre, c'est de présenter par le président Martin Fayoumadi. Parce que les Congos méritent un sauveur. Nous n'avons plus besoin de gens qui viendront apprendre, mais nous avons besoin de gens qui viendront appliquer ce qu'ils ont eux conçu pour l'intérêt du pays. Merci beaucoup en tout cas. C'était l'invité de Mireille. Je n'aimerais pas que les gens m'en veulent après. Je crois également au programme qui va être présenté par le candidat Katumbi. Parce que lorsqu'on parle de l'opposition, c'est cette globalité-là. C'est cette globalité-là, oui. Ouais. Moi, j'aimerais insister avant de clôturer que le conseil spécial de Moïse Katumbi, Salomo Kalonda, est malade. Ça, c'est. Oui, j'ai même appris qu'il lui est refusé de voir un médecin en dehors. Exactement. Des soins appropriés en dépit de deux rapports produits, tant par le responsable sanitaire de la prison militaire d'Ndolo, et même c'est envoyé par les renseignements. Exactement. C'est quand même triste. Et j'ai mes questions pour poser et plusieurs réflexions. À qui profiteraient les procès des morts? Voilà, j'ai demandé. En tout cas, une plaidoirie. Ça, je ne sais pas si je dois demander ça au président de la République. Non, en réalité, les droits à la santé, ce n'est pas une plaidoirie, c'est une obligation de préserver. Non, mais écoutez, puisque apparemment, ici chez nous au Congo, on veut en faire un problème, alors je me rabaisse jusqu'au niveau de supplier que l'on accorde, ne fût-ce que, le droit aux soins de santé de qualité au conseil spécial de Moïse Katumbi, Salomo Kalonda. Peut-être pas à l'extérieur du pays, mais même ici à Kinshasa, nous avons des centres de santé appropriés. Comme vous l'avez dit, un Salomo Kalonda mort, en tout cas, ne servira à rien. En tout cas, le Congo nous appartient tous. Et si on a autorisé à François Béat, oui. Si on a autorisé à Fortuna Bisselele, pourquoi pas? Pourquoi pas à Salomo Kalonda? D'autant plus encore, il réunit les mêmes conditions que ses compatriotes. Pire encore, les faits pour lesquels ses compatriotes ont été poursuivis, ce n'est pas les mêmes que Salomo. Voilà. François Béat a été poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure extérieure de l'État. Mais je ne retrouve pas ces chefs d'accusation chez Salomo. Voilà. Pourquoi? Pour des faits d'aussi d'une gravité telle que celle de François. On accorde. On accorde. Mais le fait grave, bien sûr, mais qui n'atteint pas cette même proportion, on refuse. Simplement parce qu'il est... encore. Oui. Monsieur François Béat a été poursuivi avec des hommes en uniforme. Mais Monsieur Salomo est seul. Donc, des raisons qui tiennent pour préserver la vie de ses compatriotes congolais. Nous pouvons bien en parler avec sourire. Mais si aujourd'hui nous recevons des échos selon lesquels Salomo est par terre, nous serons tristes et nous allons être là pour donner des messages tristes. Et c'est ce que nous souhaitons éviter. Voilà pourquoi je vous interdis de suppléer ces gens-là. Oui. Parce que nous avons des textes en interne et en international où la RDC est membre qui stipule que les droits à la vie doivent être préservés. Préservés. Il n'y a pas à supplier. Il n'y a pas à se plier, c'est une obligation de ceux qui gouvernent de préserver la vie. Sinon, ils passeront à côté de leur serment qui a été fait pour préserver les vies de compatriotes congolais. Merci beaucoup. Alors, vous allez suivre cette émission en rediffusion le samedi à 10h. La même émission sur Peter Tiani, RDC Télévision sur YouTube. Sur Nyota Télévision également. Les extraits, vous pouvez couper et partager. J'ai reçu pour vous Maître Jonathan Ngbele. Il est en tout cas cadre de l'AMUKA. C'est votre humble serviteur. Baelengi, Irengi. Merveille. Allez, au revoir.